Oui, la série peut se poursuivre. Maintenant, c'est un match compliqué, dans un contexte difficile, contre une équipe qui joue le tableau. Donc, c'est un match qui va être dur, mais c'est des bons matchs à jouer. Donc, on est content. Maintenant, il faut se servir de cette série pour aller de l'avant, pour continuer. Même si le match dernier n'a pas été parfait. Donc, on va essayer de rectifier tout ça, de trouver des axes d'amélioration, des motivations pour aller gagner là-bas. Ouais, on est confiant sur notre capacité à gagner les matchs. Après, on n'est pas satisfait de la performance de la semaine passée, comme je l'ai dit. Donc, on a bien bossé cette semaine pour être le plus près possible vendredi soir. Maintenant, on sait qu'on est capable d'aller gagner des matchs. On sait qu'on est capable de gagner des matchs à l'extérieur, mais chaque match est différent. Donc, une nouvelle bataille va commencer vendredi soir. Ouais, c'est un beau challenge à relever, ça c'est sûr. Maintenant, ça dit beaucoup de choses sur l'endroit où on va mettre les pieds. On sait que c'est un stade qui est quand même difficile à aller chercher des performances là-bas avec un public qui est à fond derrière leur équipe. Donc, ça va être très très dur. Mais comme tu dis, le challenge est tellement beau qu'on est excité par ce match. Bon, de toute façon, un match à l'extérieur, c'est jamais des matchs faciles. On sait que la pression sera mise sur nous. Je pense que c'est quand même eux qui ont plus de pression que nous parce qu'ils reçoivent et donc c'est un match qu'ils doivent gagner. Mais nous, on a besoin de points aussi. Donc le match va être beau à voir, je l'espère. Maintenant, quand on joue neuf, on a forcément des responsabilités. On a forcément des matchs à gérer. On gère peut-être un peu différemment les matchs à l'extérieur qu'à domicile. Donc maintenant, à moi et à. Et à moi, avec le 10, avec Sam, de bien gérer ce match pour faire le match parfait à l'extérieur. J'ai jamais gagné au Pré Fleury. J'ai souvent fait des beaux matchs. Un stade que j'aime bien quand même. J'ai l'impression que la pelouse est belge. C'est toujours comme avant, bah, elle était quand même belle. C'est un beau stade. C'est un stade qui est souvent quand même rempli. Donc c'est des beaux matchs. C'est des terres où on sent que le rugby quand même est assez aimé, assez poussé par un public. Donc c'est bien. Moi j'aime bien les anciens stades là-bas. C'est ça. On n'oublie jamais ce qui s'est passé. Donc comme tu l'as dit, le contexte était difficile au match aller. Maintenant, ils ont joué un rugby qui m'a quand même assez surpris parce qu'ils ont très très bien joué au rugby, ils ont su exploiter nos erreurs au maximum. Ils se sont nourris de ça, mais ils ont été vraiment, j'ai envie de dire, parfaits dans ce qu'ils avaient à faire pour gagner ce match. Donc on n'oublie pas ce qui s'est passé au match aller. Je pense que je n'étais pas présent la saison passée, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé la saison passée où l'équipe a joué le match à 11 contre 15, il me semble. Donc ça peut être des motivations pour ce match-là. Non, je pense pas que ce soit un match éliminatoire. Maintenant, on sait que de par notre position au classement, il va falloir qu'on aille chercher des points à l'extérieur, parce que sinon on pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas atteindre nos ambitions. Donc faut gagner à domicile et il faut aller grappiller le maximum de points à l'extérieur. Mais éliminatoire, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Eh bien, c'est bon pour moi.